Bonsoir tout le monde, jeudi, c'est jeudi 21 décembre 2017. Bienvenue dans le journal Mitan Journée sur Télévision Nationale d'Haïti. Pour nous démarrer, nous allons recevoir le collaborateur Wilner Polidor pour conditions météorologiques journée. Nous invitons aussi. Un gros merci à Wilner Polidor. J'en ai annoncé l'anti, tant traditionnelle cérémonie officielle échange veuillot déroulé mercredi 20 décembre dans le Palais National en présence représentant trois pouvoirs l'État, ensemble à corps diplomatique là. Famille présidentielle là présenté vœux santé, prospérité avec la paix par population haïtienne là. Président de la République là Jovenel Moïse lui-même dit l'a continué travail et puis innover pendant l'année 2018 là qu'a rentré sous exécution divers projets sous développement socio-économique et politique. Le reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay a présenté nous. Doyen corps diplomatique là archevêque Eugène Martin Nugent féliciter choix chef l'État a fait pour améliorer conditions vie population dans différents niveaux et spécialement dans lutte contre corruption mise en place caravane changement qui d'après lui c'est une stratégie tout neuf communauté internationale l'a supporté dans sa apostolique là encourager président chercher moyen pour couper misère et pauvreté dans société a vous êtes donné comme objectif de votre quinquennat de redresser Haïti en œuvrant pour le progrès, l'ordre, la discipline, de combattre les crises institutionnelles, de consolider l'état de droit, de relancer l'économie, la croissance durable, d'améliorer les conditions de vie des Haïtiens, de promouvoir le bien commun, la bonne gouvernance, la justice impartiale et équitable, la lutte sévère contre la corruption, le dialogue et la concorde entre les différents pouvoirs et les secteurs de la vie nationale et internationale. Nous vous encourageons dans la poursuite de ces objectifs. Président républicain Jovenel Moïse, dans l'intervention, fait remarquer qu'il n'a jamais suspendu le travail pour la population en service depuis le monté sous pouvoir, ça a 10 mois. Chef l'État remercie tous les collaborateurs qui comprennent et croient dans la démarche fait pour l'avancement du pays, et spécialement parlementaire 50e législature qui accompagne la mise en place cadre légal pour divers projets à exécuter. J'exprime le vœu que les pouvoirs de l'État ne s'épargneront aucun sacrifice en vue de la consolidation de la démocratie en Haïti. En ce sens, j'invite les partis politiques, la société civile, le secteur privé des affaires, bref, toutes les forces vives de la nation à œuvrer inlassablement en 2018 pour maintenir le momentum du dialogue initié cette année, pour aboutir à la réussite des États généraux sectoriels de la nation, mettre en place le Conseil électoral permanent, compléter la Cour de cassation, pour mettre en place la Cour constitutionnelle et renforcer le système judiciaire. Sous plan politique, président Jovenel Moïse fait connaître pour dialogue la l'ouvrir pour tout secteur. Président dit qu'il souhaitait en quel pouvoir l'État n'a pas négligé consenti sacrifice pour concrétiser le processus dialogue-là qui centré sous grand chita palais à la ronde Badea. Chef l'État cité longue vision li gagné pour Haïti pour l'année 2018 cap vini là dans divers domaines, tant qu'au énergie, agriculture, environnement et investissement. Levons-nous vers pour souhaiter au peuple haïtien un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2018. 34e Assemblée paritaire Afrique Caraïbes Pacifique là qui t'a déroulé dans le pays d'Haïti rivé dans Boutli mercredi 20 décembre 2017 là. Pendant assisio, plusieurs thématiques t'est abordé avec parlementaires d'après député Prince Cyprien représentant ACPA en Haïti. Député Prince Cyprien dit lui satisfait sous façon assisio déroulé pendant les faits qu'on est bénéfices économiques et politiques yo en pile pour pays d'Haïti. Nous invitons suivre un extrait dans le micro Fédéral Confident avec Maurice Webridge.
ça a été attendé, ça a été ouais dans la télévision sur Haïti, on pensait que Haïti a été comme ça. Ils sont très contents et ces jours en Haïti et que ils pourraient vendre l'image d'Haïti autrement et la caillou notre gagné qui guettant dit moi que il a retourné en Haïti parce que ouais son pays d'opportunité. Ils pourraient parler avec homme d'affaires la caillou pour ouais s'il a venu en Haïti pour faire commerce et avec Haïti. Sur le plan politique, je pense que la bien pile retombée politique. Il y a bien pile ouverture politique qui est possible et pour le gouvernement et pour le Parlement tout, parce que nous en contact avec des parlementaires à, là pour plus de 106 pays et il y a bien des retombées. Mais sur le plan économique, d'après les économistes, dépenses que délégation ça y a près de 430 personnes qui présentent en, environ 5 hôtels en Haïti et plus, dépenses que vous faites, ça capable de gagner des retombées économiques autour de 2,5 millions ou 3 millions de dollars pendant ces jours du 13 au 20 et gagner qu'à prêter un petit peu plus. Et c'est l'événement du siècle que nous gagnons en Haïti, du début du siècle. Et moi, j'étais quoi que, au niveau du Parlement, il y a bien comprendre ça, il y a comprendre nécessité de diplomatie parlementaire là, que ce soit au niveau du Sénat ou de la Chambre des députés. Moi, j'étais quoi tout au niveau de l'exécutif, il y a comprendre que pays il n'y a pas qu'à arrêter, fermé sous les mêmes, faut payer ouvert à d'autres pays. Commissaire gouvernement Port-au-Prince-Lan, M. Topnam, Clamé Damius, remet chèque 100 000 gouttes by famille moun qui te perdit proche. Pendant l'opération, la police te fait dans le quartier Grand Ravine, dans la date lundi 13 novembre 2017. Là. Chef paquet tribunal première instance Port-au-Prince-Lan, M. Topnam, Clamé Damius, explique c'est l'État haïtien qui prend l'initiative ça pour accompagner parents victimes. Il une façon pour organiser funérailles victimes. De l'autre côté, le commissaire gouvernement fait qu'on est, il va poursuivre avec enquête sous dossier. Opération la police dans Grand Ravine, 13 novembre passé. Nous invitons à suivre un extrait dans la déclaration de M. Topnam Clamé Damius. Quand je vais un extrait, on a continué avec le journal là. Plusieurs paysans bénéficient de matériel agricole dans pleine Latibonite pour rabouretter. Matériel ça yo pral permettre paysan yo augmenter quantité terre te kon travay pour faire diri sans yo pas payer yon goud pour ça. Paysan yo remercier président République la Jovenel Moïse qui comprend importance agriculteur yo nan pays a. Yo reportage Anne Marguerite Auguste ak Hervé Pierre. Matériel ça yo pral faciliter paysan yo rabourer plus terre pour planter diri. Yo salye intérêt yo di président République la Jovenel Moïse manifester en faveur yo. D'après eux, l'action président a posé dans quatre coins pays a montré l'ikembe promesse qui était faite dans la campagne électorale. Avec matériel ça, les paysans sont capables de rabourer jardin sans pas payer un goud. Nous avons un plan pour nous partir. Qui plan de gagner de partir me de gagner plan de partir si thème de gagner de vendre bon d'achili mais moi c'est ça me fait c'est agriculture me fait chaque grain parle te dit yo marché ensemble yo fait effet dans comme et ni pour madame moi ni pour petite moi jodi a moi surtout merci et c'est ça ou commencer offrir nous mais journée jodi a bon dieu roi un prophète saute dans ciel la crélé Jovenel Moïse qui vient pour délivrer nous président Jovenel nous remet m'a chanter pour ça moi qui commencer fête là moi vle ouais président Jovenel a mené quand yon héros sous Haïti, président Jovenel pour bénite ya, ak yon bagay kap mene nan ciel. An nou marche, an nou avance, ak président Jovenel pays a développé. Peuple a tout prêt pour tan nou, paysan yon remè ou, yon content ou, parce que yon wè wap travail pou yon. Félicité président Jovenel, et par rapport avec tout Jefol la fait, nou wè penché bon côté paysan yon. Et c'est paysan ça yo tal goumen plus pour lui ka gen moun nan mitan ville tout mais c'est paysan nan milieu rural yo tal goumen pour lui et nous wè bataille ça nous gèl pas de faire en vain et moi pas regrette nous tal fon sel coup de clé journée jodia nous voyons gros coup de chapeau pour président Jovenel Jean commencer parti avec paysan yo n'a dit président ça faire pile attention pour que la Tibonite t'attend ni non seulement n'attend ni sous canal yo tout nous gè des bagages pour nous dire n'a dit lui de près il faut lever pour mauvais gens qui pas gâter caravane nan amen parce que plein go naïve tout monde qui effondré lui nous connaît tout monde qui cause pompe nous Jean yo nous connaît et journée jodia nous au chef toujours je pour que j'aime river sous nous moi tout connaît même pas connaît du monde ça fait l'aime dal français le coup de kem pas faire me peine nèg moi même dal faire depuis président fin chef moi chef pour me parler vérité
Nous disons, président, un gros merci. Parce que l'on a regardé la situation basse pleine, près de 8 ans, pleine ça, c'était Mestien Béni qui était levé là-dedans. Parce qu'il n'a pas de jambes de travail. C'est un gros défi. Nous, le président vini, il vini, il commence à tête canal là. Nous, c'est le changement de caravane qui est censé arriver par bon ici. Il commence à tête canal là, il vini, toute terre machinée, pour commencer à planter, pour commencer à lever, toute terre machinée. Et nous sentons que l'agriculture va plus avancer. Président Jovenel, nous ne regrettons pas de photos, nous ne regrettons pas de moi-même d'abattre là. Parce que nous avons travaillé. Tant que paysan, moi-même, tant que planteur, moi-même, c'est là que je travaille pour me petit à l'école. Pour me jouer. L'aime travail, je cob pour me petit à l'école. L'aime tout le temps à terre à terre sans travail. Comme ça, c'était bon mon pile problème. Je demandé dans la zone ça même. Qui besoin faire bloc production pour nos gros marchés internationaux pour nous? C'est ça nous-mêmes, nous avons dit merci président Jovenel. Parce que nous c'est collé moun à moun. Bloc à bloc, et je dis à nous de visiter zone souvenance les tigres dans la cadette, parce que nous avons un bloc position, parce que nous avons une aubergine fait, parce que nous même je dis à nous besoin de l'aubergine à l'autre côté. À partir de toute décision, chef l'État prend pour changer ce qu'on fait du pays, accompagnement paysan, c'est un point important pour augmenter la production agricole là. Ça qui pourra le permettre, pays à gagner plus manger, qui permettre tout petit pays à joindre manger pour y manger, et puis faciliter jeunes la caillou pour participer à notre travail qui a fait pour aider Haïti à avancer plus devant. L'autre information dans le journal SAN, en conférence pour la presse spéciale qui fait dans le ministère de communication mercredi 20 décembre. Ministre Affaires sociales et travail là, Stéphanie Auguste, fait qu'on est, y résoudre crise qui gagne pour avec dossier contractuel, ministère a fait face là. Dans 4000 dossiers contractuels, yo joignent environ 2800 qui conforment et pour qu'on y ait un chèque pour payer contractuel yo disponible dans ministère. Nous invitons à suivre un extrait. Moi, venu à la tête li, le 14 septembre, t'es déjà gagné crise contractuelle qui t'est existé. C'est un héritage que gouvernement vient joindre par rapport à quantité contractuelle qui gagne dans le ministère. Nous avons joindre environ 4000 contractuels dans le ministère des Affaires sociales. Sous instruction du Premier ministre là, et son bagage, c'est un dossier que le président de la République, la même Excellence Jovenel Moïse, a dit que faut que nous résoudre le problème contractuel. Là. Après triage de tout dossier d'environ 4000 dossiers contractuels que nous te joignent, nous venons joindre des contractuels doublure. Ça veut dire pour un même NIF, on peut joindre 2, 3 noms. Ça veut dire un NIF par exemple 003, etc. On vient joindre NIF sous 3 noms différents. Nous venons joindre tout un pile contractuel inactif qui est équivalent à environ 2000 contractuels. Si on a dit contractuels doublure et inactifs, environ 2000. Inactifs, là, ça veut dire que c'est des contractuels, l'organe des contrats, sans affectation. Irrégularité encore que nous joignons, gain plus que 600 contrats que nous joignons qui gagnent un pile problème. Soit problème NIF, soit problème signature. Nous jouons un pile contrat côté c'est des consultants ou des contractuels qui te gagnent des montants de plus de 150 000 gourdes. Avec travail ça, nous venons recevoir finalement dans le ministère des Finances 2882 contrats. Que à partir de hier, nous te jouons environ 2206 et après-midi encore, nous venons prendre chèque, merci. Et après-midi encore, nous prenons reste chèque que le ministère finance imprimé pour nous. Au total, nous gagnons 2882 chèques disponibles dans maintenant. Commission et spéciale Chambre députée qui travaille sous amendement constitution 1, rencontré mercredi 20 décembre 2017 là, Fédération nationale Kazakh et puis la Fédération nationale Azek d'Haïti. Dans cadre série consultation, commission a fait pour joindre position différents secteurs sur problème constitution 1. Président commission 1, député Jerry Tardieu, fait qu'on est, commission a gagné pour présenter premier rapport travail by Assemblée 29 mars 2018. Un extrait dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Woodbridge. Nous sommes contents pile
ouais, tout Kazek, tout Azek qui était fait déplacement pour venir travailler, pour venir parler, pour venir discuter avec la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. La consultation nationale a avancé. Hier, nous avons rencontré avec l'ancien premier ministre PIA. Jeudi, nous avons rencontré avec la fédération Azek et Kazek PIA. Demain, nous avons une organisation populaire et nous avons continué jusqu'au 31 décembre 2017. Après ça, nous tous connaissons, vos rendez-vous, c'est 29 mars 2018. Constitution pour 31 ans et c'est dans la date ça que la commission pour remettre un premier rapport avant que le fonds tournée national de validation justement auprès des communes pour nous descendre à terre pour que recommandations rapport les marier avec sa pays a dit nous les pas seulement connecté avec ça nous même nous penser en dans chambre des députés. Commissaire gouvernement Port-au-Prince là met au nom clamé d'Améus remet chèque 100,000 gouttes bay famille moun qui t'ai perdu proche yo pendant opération la police t'ai fait dans quartier Grand Ravine nan date lundi 13 novembre passé a chef paquet tribunal première instance Port-au-Prince là met Tottenham clamé d'Améus expliqué c'est l'état haïtien qui prend initiative ça pour accompagner parents victimes yo yon façon pour organiser funérailles victimes yo nous invitons suivre un extrait dans déclaration à chaque fois la police gagne pour lui faire des opérations. Pas gagné aucun monde qui a épargné gagné ça relé des dommages collatéraux. Ou pas qu'à en société ça qui arrive. On fait pile effort pour capable d'abord plus professionnaliser la police et utiliser surtout les unités les plus spécialisées pour nous réaliser opération yo. Les nous étudier que moun sa yo parents sa yo ki la ki derrière nan la ki pa prévoir que yo ta pa gen moun victime nan famille yo pa gon préparation et droit pa gen tan prévoir tout lorsque gen des événements consacrivé mais ki jan pour résoudre li et bien l'état dans sa puissance publique décider via le commissaire du gouvernement qui gagne en partie dans li qui dans espace judiciaire qui poursuivre et qui pral garder tout le monde qui est coupable, qui est manque de professionnalisme, a gagné pour répondre à la question de la justice, mais en même temps, le monde sait tout qui gagne des victimes, qui n'a pas de possibilité, qui n'a pas de temps déjà, gagne moyen pour répondre, eh bien l'État prend responsabilité pour aider à répondre à des besoins urgents. Et parmi les besoins urgents que le monde sait gagne, le monde sait que nous sommes là, maintenant, c'est moyen pour joindre, pour yo capable organiser un funérailles qui digne des familles. Voilà pourquoi l'État, via commissaire gouvernement, prend responsabilité. Nous pas mettre nous comme acteurs qui pral organiser funérailles, mais nous définir nous comme acteurs qui doit aider moun sa yo, citoyen sa yo, organiser dignement funérailles parents yo. Voilà pourquoi commissaire gouvernement l'ichita avec l'état central et arriver permettre que chaque moun sa yo pral gagner pour rentrer la caillou avec un chèque de 100,000 gourdes pour organiser funérailles famille. Moi gagné 11 parents qui gagné donc moi pas déplacer famille policier justement par rapport à question que t'es posé a pas trop nécessaire pour me permettre de venir là puisque yo te gen tan consenti déjà des sacrifices pour yo avancer maintenant qu'on y a eux même y a gen seulement pour yo venir très concerné y a venir pour yo venir recevoir chèque yo pour yo permettre que yo réponde à des choses. Amis téléspectateurs, c'est moment pour nous observer une pause dans journal ça nous invitons à rester branché n'a tourner dans un petit moment. Ministère éducation nationale ak tout partenaire yo fèk mete kanpe yon program ki rele l'école zanmi l'hygiène. Mè krite yon l'école do respecte pou l'état rekonèt li se l'école zanmi l'hygiène. Fòk la kou l'école la byen klotire, toujou prop epi tou fòk gen poubèl nan la koua ak an dan sal klas yo. L'école la do gen plize toilette byen prop. Toilette grand moun dwe a pa.
toilettes si filles doivent séparer à toilettes si garçons. L'école la doit gagner de l'eau avec savon pour laver mains à l'eau traitée pour élèves yo boue. Faut gagner séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo au moins une fois par semaine. L'école la doit gagner tout yon clip santé cap veiller sous propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins yon activité santé chaque année dans communauté. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour l'autre bon gen qualité l'école pour tout ti moun. Programme certification l'école zanmi l'hygiène, c'est BID qui finance l. L'a réalisé en partenariat avec Zinepa, MSPP, FAES, UNICEF. Dans l'actualité internationale, l'Assemblée générale de l'ONU a bien pour prononcer la dernière décision sous dossier Jérusalem, non, jeudi 21 décembre 2017. Le président américain Donald Trump a menacé l'ONU contre décision. Ça, nous invitons à suivre un reportage. Après décision Conseil de sécurité, c'est l'Assemblée générale de l'ONU qui a bien pour prononcer sous décision Washington prend pour reconnaître Jérusalem comme capitale Israël. Donald Trump montre le menacé par rapport à tout pays qui a voté texte là. Dans le commencement de la semaine, le Conseil de sécurité a approuvé la condamnation de la décision du président Donald Trump. Les États-Unis sont obligés d'utiliser. L'ambassadrice américaine Nikki Haley a rapidement réagi contre votre ça pour faire connaître ses insultes. L'ambassadrice a déclaré tout sur Twitter pays États-Unis a pris le nom de tout le monde qui a voté en faveur de la décision de l'ONU pour condamner la décision du président Trump. Assemblée générale Nations Unies a 193 membres là-dedans. Et si jeudi, il prévoit faire vote là. Toujours dans l'actualité internationale, là, une machine foncée sous plusieurs piétons en Melbourne, en Australie, et puis la cause au moins moun blessé, 13 moun blessé jeudi 21 décembre. Pourquoi elle est là? 12 hospitalisés, parmi eux, yon ti moun qui blessé grave nan tête. Incident ça produit dans un quartier en pile moun fréquenté dans Melbourne. La police état Victoria a annoncé arrestation qu'on dictait machine ça. Dans stade ça, la police pas connaît si c'est yon zak délibéré ou soit théoriste. Voilà, amis téléspectateurs, c'est la journal la bout pour jeudi. Mais avant de quitter nous, comme nous tous connaissons, c'est la Noël. M'a profité occasion pour me souhaiter toutes téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti, une joyeuse Noël et une bonne année 2018. Bonsoir tout le monde.